Je vois les gens émus en regardant le ciel, les étoiles, la lune. Je suis ému quand je vais à l'atelier. Et je vois les jeunes au travail. Pour moi, c'est une extase. Pensez à l'avenir de ces jeunes qui, un jour, formeront une famille. Et ils subviendront aux besoins de leurs enfants, sans le souci de se demander ce qu'ils leur donneront à manger. C'est une grande joie pour moi. C'est la guerre civile au Soudan qui, en 1992, a poussé des milliers de personnes à fuir vers le nord du Kenya et a donné naissance à ce qui désormais est un centre habité et une maison pour beaucoup. Kakuma naît ainsi dans le désert entre le Soudan, l'Ouganda et l'Éthiopie pour accueillir les réfugiés qui fuient la guerre, les persécutions civiles et religieuses, la famine du continent. Soudan et Somalie surtout, puis le Sud-Soudan, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, l'Érythrée et la République démocratique du Congo. Avec ses presque 200 000 habitants, Kakuma est un des plus grands camps de réfugiés du monde, le premier étant celui de Dadaab, aussi au Kenya. Puis, malheureusement, d'autres camps sont nés en Afrique et au Moyen-Orient. Kakuma est un bidonville menacé par la chaleur, les tempêtes de sable, par les inondations durant la saison des pluies, par le manque d'eau et de services, et elle est gérée essentiellement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par la Croix-Rouge internationale. Les Salésiens arrivèrent à Kakuma déjà en 1993, et actuellement, ils sont les seuls, depuis 2000, à avoir la permission de vivre de manière stable à l'intérieur du camp, à côté des gens, pour partager les difficultés et les aider à construire des opportunités de croissance. Ici, la vie passe très lentement. Les personnes vivent dans une perpétuelle condition d'attente, où il est difficile de construire des projets et de rêver. C'est ainsi que certains perdent le sens de l'existence et se suicident. Les Salésiens cherchent à donner une réponse au vide qui règne, souvent dans le cœur de beaucoup de réfugiés, en leur donnant l'espérance grâce à des activités récréatives, éducatives et de formation professionnelle, surtout pour les très nombreux jeunes. 50% de la population a entre 15 et 35 ans. On peut passer des années dans le camp, mais ce temps infini, on peut l'employer de manière positive. On peut apprendre à lire et écrire, à compter, et surtout on peut apprendre un métier utile une fois sorti du camp ou même déjà à l'intérieur. Car Kakuma est justement une vraie ville. Je m'appelle Djendanye Manasta Nyonkuru. Je suis congolais. J'appartiens à la tribu Banyamulenge. Djendanye a perdu les traces de sa propre famille en octobre 2009 à la suite d'une attaque rebelle dans son village. Alors que j'étais en train de travailler au champ, est venu un homme de la tribu Bembe pour me dire que dans le village Karunja, les guerrieros Maïmaï avaient attaqué et tué toutes les personnes appartenant à la tribu Banyamulenge. Il me dit de courir au village dans le cas où j'aurais des parents, car ils avaient tué tout le monde. Alors qu'il me donnait toutes ces informations, j'étais confus, puisque mon frère y vivait, et aussi ma femme et mes enfants. «
Nilipofika nilifika kwa nyumba ya mkubwa wangu. Alors j'ai décidé de me précipiter au village. Arrivé au village, je suis allé directement à la maison de mon frère. Et j'ai vu que lui et sa femme avaient été tués. C'était arrivé la nuit précédente. Puis, je suis allé dans la pièce de leurs enfants. Du sang partout. Tous avaient été massacrés. L'histoire de Mairos est semblable à beaucoup d'autres, mais lui, grâce au soutien des Salésiens, est en train de retrouver la force pour rêver. Oui, car vu d'un immense camp de réfugiés, il ne semble pas qu'il puisse exister une vie avec de nouvelles opportunités. Je vivais avec mon père. Maman et les autres frères n'étaient pas avec nous. Dans ma famille, nous sommes 8. 4 garçons. En réalité, nous aurions dû être 5, mais un est mort, et 4 filles. Maman nous a laissés avec mon père. Lui s'occupait de nous, il travaillait comme soldat, et il s'occupait aussi de toutes les autres choses. La maison de mon frère se trouvait sur le côté opposé à la mienne. Quand je suis arrivé à la maison pour comprendre comment se trouvaient ma femme et mes enfants, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. J'ai vu alors quelques canoës qui transportaient des personnes qui avaient échappé au massacre. Plus tard, moi aussi, je suis monté dans le canoë et je suis arrivé en Tanzanie. C'est ici que Jeanne Dagne commence la recherche désespérée de sa famille. En Tanzanie, les camps des réfugiés étaient trop peuplés et ils n'accueillaient plus personne. Et ainsi, on conseilla à Jeanne Dagne de se déplacer au Kenya. Arrivé à Kakuma, Jeanne Dagne commença à travailler comme chauffeur de taxi, mais avec un moyen de transport insolite, un vélo. En 2012, de manière tout à fait inattendue et avec une joie immense, Jeanne Dagne, alors qu'il accompagnait un client de l'autre côté du camp, rencontra son fils aîné. Et tout de suite après, sa femme et ses 4 autres enfants. Mairos arriva à Kakuma en 2006 et il rappelle avec gratitude la rencontre avec les Salésiens. Rester avec les Salésiens m'a beaucoup aidé à m'intégrer et à connaître beaucoup de personnes à l'intérieur du contexte salésien. Avant même de travailler pour eux, je faisais déjà partie de la famille de Don Bosco. Et cela m'a aidé à croître comme personne. Formation, école, opportunités. Chaque année, les Salésiens et leurs collaborateurs forment environ 4100 élèves. Malgré l'aide internationale, la nourriture ne suffit pas et il faut donc de quelque manière réussir à travailler. Pour le faire, il faut connaître un métier et au moins la langue anglaise, le swahili, pour communiquer dans les milieux internationaux. Les élèves, garçons et filles, hommes et femmes de 18 à 35 ans, certains viennent avec leurs enfants, les mamans aussi avec les nouveau-nés, d'autres comme Barnaba sont des ex-enfants soldats. Je vivais dans la zone des montagnes de Nouba et j'étudiais. Ils m'ont obligé à devenir soldat. Ils m'ont amené dans un camp. Après une semaine et demie d'exercice, je suis parti pour combattre. C'était en 2002. Ce fut la dernière guerre. Et c'est à ce moment que j'ai perdu la main et l'œil.
avons 4 centres de formation professionnelle dans le camp. Et actuellement, nous sommes en train d'en construire un autre en ville, pour offrir la possibilité de formation aussi aux communautés locales. Car pour les natifs, il n'est pas facile d'entrer dans le camp. Et donc nous avons pensé ouvrir un centre à l'extérieur pour accueillir soit les réfugiés, soit la communauté locale. Ce sera notre 5e centre. Nous voyons aussi que celle-ci est une activité qui leur permet d'avoir une rentrée économique ici dans le camp. Autrement, ils resteraient à la maison, assis, sans rien faire. Car ici, les gens sont chômeurs. Ils ne trouvent pas de travail ou un moyen pour s'auto-soutenir. Et donc, celui qui a la possibilité de recevoir une formation peut chercher un travail. Certains le trouvent à l'intérieur du camp, auprès de diverses organisations présentes, par exemple dans la construction des maisons. Tous ne trouvent pas de travail. Certains rentrent dans leur pays d'origine et là, ils trouvent du travail. Dans ce contexte, souvent trempé de désespoir, se branche l'espérance chrétienne, jamais imposée. L'évangélisation des Salésiens est proposée avec le témoignage personnel. On évangélise en partageant avec les réfugiés les mêmes difficultés de la vie, mais avec l'espérance de celui qui a le Christ dans le cœur. Et on évangélise en montrant un style de vie différent, confiant et laborieux, même dans la pauvreté, proposant à tout le monde, mais surtout aux jeunes, des activités éducatives et formatrices spécifiques par la pastorale de la paroisse du camp qui s'anime, en particulier, le dimanche pour la Sainte Messe. J'ai été baptisé au Soudan. Et puis quand je suis arrivé ici en 2007, j'ai décidé de recevoir la confirmation. J'ai suivi le cours toute l'année et en 2008, j'ai été confirmé comme chrétien de la paroisse. Mon rêve est celui de devenir salésien un jour. Parmi les activités que nous réalisons pour les jeunes, nous avons l'école. Beaucoup viennent pour la formation professionnelle, mais l'activité la plus importante est le centre des jeunes. Ils viennent de pays différents. Ils se retrouvent ici pour diverses activités. Nous leur enseignons les principes moraux et diverses activités sportives, surtout le football, le volley-ball et le basket. Après les activités ludiques, nous les réunissons pour le mot du soir, durant lequel nous cherchons à les encourager pour affronter le lendemain. Mon rêve est que mes enfants aillent à l'école. C'est pour cela que j'ai demandé au prêtre de m'aider pour acheter un tableau noir. Regardez à l'intérieur. Il a accepté et il enlèvera le coût de mon salaire petit à petit. Une de mes enfants a une bourse d'études. J'ai prié Dieu pour cela et je le remercie. Dieu a fait un miracle. Elle a réussi à entrer et les dépenses se sont stabilisées. Elle a été accueillie dans l'école d'Angelina Jolie, où il y a aussi l'internat.
Ici, à Kakuma, il y a d'énormes difficultés. Quelquefois, les gens viennent et volent tout. Ils peuvent nous kidnapper ou même nous tuer. Ce que je peux dire, c'est que je ne me sens pas à mon aise ici. J'étudie beaucoup pour réaliser mon rêve d'être très brave. Mais ma santé n'est pas très bonne. Je souffre beaucoup de maux de tête. Malgré cela, je cherche à faire de mon mieux pour être brave et aider mes parents pour changer leur vie. Je veux qu'ils soient fiers d'avoir une fille qui lutte pour qu'ils soient bien. Pour une petite fille, la vie dans le camp peut être terrible. Et il est difficile de persévérer, même quand on reçoit une bourse d'études grâce à l'aide internationale. Mais ici, on apprend vite que personne ne peut faire les choses à notre place et qu'on doit combattre nos petites ou grandes batailles. Mercredi commence l'école et mes parents sont déjà en train de penser où pouvoir trouver un petit sac à dos pour enfants. Nous n'avons pas d'argent, même pas un sou, pour acheter un stylo ou un cahier. Nous ne l'avons pas et c'est pour cela que parfois je suis stressé. Je suis un être humain et je dois penser à ce que je pourrais faire dans l'avenir. La vie au camp est difficile et même dangereuse, car beaucoup de rancunes tribales continuent loin du Congo. Jean Dagne ne fait plus le Boda Boda, taxi avec vélo, mais il travaille comme veilleur chez les Salésiens. Et avec sa femme, il cherche à aider ses enfants pour avoir au moins une opportunité, en plus de celle que lui a eue. Mais Kakuma reste un camp de réfugiés, immense, immergé dans le désert entre le nord du Kenya et le Sud-Soudan. Il est en train de se développer presque comme une ville indépendante, mais sans la présence des aides humanitaires et surtout d'interventions d'éducation et de formation professionnelle comme celles offertes par les Salésiens, elle serait une énorme prison sans espoir de rachat humain. À Kakuma, on cherche à survivre, et dans la mesure du possible, et même si cela peut paraître étrange dans un endroit au milieu du désert, on cherche à faire des projets pour l'avenir. Pour le moment où notre propre pays sera en sécurité et avec la possibilité d'y retourner. Les eaux du fleuve Gilo, qui a son cours à côté du camp de Kakuma, représentent bien les regards sur la vie des personnes. L'espérance et le désir de vie n'abandonnent personne. Au contraire, périodiquement, ils se présentent impétueux dans le cœur des adultes, des jeunes et des enfants, donnant ainsi un encouragement. L'eau est source de vie, de joie, de rencontres et de jeux. Le désir d'un avenir meilleur pousse à étudier, à apprendre un métier et à s'aider les uns les autres en partageant ce que l'on a.